Bonjour, nous avons la chance et l'honneur d'être avec Michel Larocque, mon idole, et je sais que je ne suis pas la seule. Alors Michel, j'ai entendu dire que vous pratiquiez le tennis. Mais tout à fait, et non seulement je pratique le tennis, mais j'ai commencé ici à l'âge de 9 ans, et je suis restée au club jusqu'à 18 ans. D'accord, voilà. Vous avez fait un petit peu des tournois Alors je faisais, c'est un peu ridicule, mais j'avais mon prof, monsieur Curti, qui voulait que je fasse partie de l'équipe, donc j'ai fait partie de l'équipe. D'accord. Mais je rigolais trop. Pendant un match, je suis tombée à genoux, tellement je riais, et je ne dis pas qui c'était, mais le président m'a viré. Ah, d'accord. De l'équipe. Voilà, comment ça s'est terminé ma carrière au LTC. Bon, et aujourd'hui, donc, on n'a pas eu de chute à genoux sur le match. Ils n'ont pas rigolé tellement. Voilà. Mais ils ont gagné, c'est mieux. Oui, c'est qui que vous avez regardé jouer aujourd'hui? Là, donc, je viens d'arriver, donc j'ai vu Serra contre Verdasco et j'adore. J'avais jamais vu jouer Serra, mais je trouve qu'il avait vraiment des très très bons moments. Et Verdasco, je le suis beaucoup et je trouve que c'est un grand joueur. Écoutez, merci beaucoup, vous êtes une bonne fin de tournoi. Bonne journée. Alors, paraît-il qu'il y aurait une autre célébrité qui se cache dans l'Agora. Donc suivez-moi, nous allons tenter de la retrouver. Vous avez aperçu Charlie Winston dans l'Agora ou pas? Pas vu. Vous l'avez pas vu? Merci. Bon. Je crois que je l'ai aperçu, suivez-moi. Excuse me. Charlie Winston? Quoi? Charlie Winston? Like a hobo. Non, pas du tout, non. Non, faites erreur. Je peux? Ah, Samuel Gourville, le handyman. Ouais, c'est ça. L'homme sans qui rien ne pourrait se faire sur le tournoi. Pardon. Nous sommes toujours à la recherche de notre célébrité. Donc, on a été déçus sur Charlie Winston, mais je crois que cette fois, c'est la bonne, puisque M. Pokora serait sur le tournoi. Suivez-moi. Premier indice, le tatouage. Pokora, M. Pokora? Oh, une chanson. She's dangerous, oh, you fly away. Désolé, ma voix aujourd'hui est un peu trop... Non mais, laisse tomber, c'est pas lui, on s'est encore trompé. Avec les trois superviseurs des ramasseurs de balles. Donc, messieurs, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre rôle, de votre tâche en tant que superviseur? Nous, en fait, on va s'occuper des ramasseurs, des temps qui passent sur le terrain, on va s'occuper des frigos, des serviettes, de tous les besoins des joueurs, et puis des ramasseurs. Alors, est-ce que quand on est ramasseur, il y a une formation préalable, une sorte de petit stage, en fait, pour être à la hauteur? Ben, oui, en fait, un mois avant le tournoi, tous les dimanches, on a une formation de 3 heures avec Thierry Pommier, qui est notre directeur. Vous avez combien de ramasseurs à votre charge? On a 80 ramasseurs au début de la semaine. Mercredi, il y a eu une sélection, on en a gardé plus que 26. Et peut-être qu'en fin de semaine, peut-être aujourd'hui ou demain, il y aura une autre sélection pour garder vraiment les meilleurs pour la finale. D'accord. Donc on sent qu'il y a vraiment une pression supplémentaire pour les demi-finales, finales. Ouais. Ou spectateurs, c'est-à-dire qu'on a besoin que les ramasseurs ne fassent pas de... se trompent pas dans leur boulot. Quoi. D'accord. Voilà. Donc vous, j'imagine qu'en tant que superviseur, vous avez été ramasseur de nombreuses années. Donc est-ce que vous avez un petit peu des anecdotes, des expériences sur le terrain avec certains joueurs? Moi, à Monte-Carlo, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'Allemand Jean. Qui a jeté mon parasol sur le terrain parce qu'il était énervé. Après, sinon, non, il y a des joueurs qui sont super sympas, comme Gaël Monfils,
En général, les Français sont plutôt sympas. Bon, très bien. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite du tournoi et une bonne journée. Merci. Alors, c'est juste un petit jeu que je vais te proposer, c'est le si j'étais. Donc, si tu étais un film. Gladiateur, je l'ai vu à la télé il y a quelques jours. Là. C'est un très beau film. C'est un très beau film, effectivement. Si tu étais une chanson. En Coldplay, Viva la Vida, c'était pas mal dans le passé. Une belle chanson, je pense. Quoi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, il n'y a pas de doute. Et enfin, si tu étais une femme. Là, j'en ai vraiment aucune idée. Quoi. Vraiment aucune idée. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'une femme, ça m'est très dur. Donc, c'est bien, dommage, c'est agréable. J'imagine, un homme, tu sais, c'est pas mal aussi. Quoi. Donc, bon. Je vais rester un homme pour l'instant. Ça me va plutôt pas mal. Bah, merci beaucoup voilà. Et bonne continuation. Merci. Merci.